On vous souhaite la bienvenue à ÉricLatour.com, une émission entièrement dédiée aujourd'hui à l'enjeu des fonds de pension, les régimes de retraite des employés municipaux. Il y a quelques semaines à peine, on recevait le président du comité des finances à la Ville de Saint-Jean, le conseiller Yvan Berthelot, qui connaît bien le domaine. Mais aussi, ça nous prenait la position syndicale. Donc, on a eu l'idée d'inviter donc, les représentants des quatre principaux syndicats, les Blancs, les Bleus, les policiers, les pompiers, accompagnés par le porte-parole national de cette coalition pour la libre négociation, M. Marc Ranger. Donc, on démystifie et vulgarise le sujet au cours des 28 prochaines minutes. Vous savez, l'un des enjeux importants cet automne, c'est les fonds de pension chez les travailleurs municipaux. Il y a quelques semaines, ici localement, on recevait le responsable du comité des finances à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, le conseiller Yvan Berthelot, qui lui-même, dans sa vie professionnelle, gère des fonds de pension chez les employés de la presse, chez GESCA, mais également pilote le dossier comme politicien municipal. Il nous a fait un peu, dressé les enjeux ici localement. Et d'ailleurs, on voulait aussi avoir l'autre côté de la pièce, c'est-à-dire donner la parole aux syndiqués eux-mêmes. Donc, je vous présente nos cinq invités. D'abord, Marc Ranger, qui est le porte-parole national pour la coalition syndicale pour la libre négociation. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous. De même que Jocelyn Bourdon, qui est le président du syndicat des Cols Blancs. Bonsoir. Bonsoir. Richard Daudelin, qui est le secrétaire du syndicat des Cols Bleus. Bonsoir. Bonsoir. Également, Philippe Savard, qui est vice-président du syndicat des pompiers. Bonsoir, bonsoir à vous. De même que Éric Lebeau, qui est le président du syndicat des policiers à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonsoir et bienvenue. Donc, je vais commencer avec vous, M. Ranger, parce qu'évidemment, vous êtes le porte-parole national. Vous vous promenez un petit peu partout à travers le Québec. Les gens vous ont vu, vous ont entendu. Bon, on sait qu'on est à quelques heures du dépôt de la loi. Il y avait commission parlementaire. Êtes-vous inquiet ou rassuré par peut-être ce que vous avez pu entendre dans les dernières heures? Je suis très, très inquiet depuis trois semaines environ. Depuis que le ministre Moreau a coupé les ponts un peu avec nous, depuis que le premier ministre aussi a fait une sortie pour dire que si les employés municipaux, la coalition syndicale s'attendait à des changements au niveau du projet de loi 3, qu'on serait déçus. On a compris le message, donc on est plus en mode mobilisation. Mais je suis bien inquiet, surtout parce qu'il s'apparente à de l'entêtement. On va le voir dans les prochaines heures, comme vous dites, sur tout ce qui concerne le service passé, la suspension de l'indexation, les droits, les prestations que nos gens ont acquis au cours des 10, 20, 30 dernières années. Le ministre et le gouvernement semblent s'entêter là-dedans. On s'en va vers une grosse bataille juridique. Et ça, je trouve ça triste, parce qu'on pense que c'est totalement illégal, puis il n'a pas entendu notre message. Bon. En même temps, ce qui m'a beaucoup surpris quand je me suis mis, moi, à m'intéresser au sujet, je prenais l'exemple d'une ville que je connais, Saint-Jean-sur-Richelieu, vous avez des représentants ici. Ma compréhension, c'est que les fonds de pension, ça se ressemblait un peu d'une ville à l'autre ou d'un syndicat à l'autre. Or, je prends l'exemple ici, et finalement, en questionnant, je m'aperçois que chez vous, c'est un fonds de pension, mais avec différents calculs comptables par les Blancs, les Bleus, les policiers, les pompiers. L'exemple de Saint-Jean, est-ce que ça se ressemble ailleurs aussi? C'est un peu partout. C'est sûr que les régimes ont des réalités qui sont différentes, parce que des régimes qui sont plus matures que d'autres, ça veut dire quoi? Comme par exemple à Montréal, chez les Cols Bleus, il y a un travailleur actif, Cols Bleus, pour un retraité. Ici, ouais. C'est pas la même réalité, là, c'est du 1 pour 3 environ de ratio. Fait que plus il y a de gens à la retraite, plus ça met de la pression sur le régime de retraite. Ouais. Mais les régimes sont relativement différents. Mais la réalité de Saint-Jean, où il y a des comptabilités distinctes, donc il y a un régime de cadre, policiers, pompiers, chacun sont ensemble, mais ils ont chacun une réalité qui est différente, puis un passif ou un actif qui peut être différent. Bon, Jocelyn Bourdon, chez les Blancs, c'est quoi l'enjeu que vous avez pour le groupe d'employés que vous représentez? Bien, l'enjeu principal, c'est la cotisation. Bien, la cotisation est déjà à 50-50. Bon, cet enjeu-là, chez nous, n'est pas négociable. L'enjeu principal, c'est le partage des déficits futurs. Le partage des déficits passés également aussi. C'est les enjeux principaux. Parce que les indexations, partout dans nos cinq groupes, l'indexation n'existe pas. Donc, Ça, c'est un point. Il y a des endroits où il y a de l'indexation, mais ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu, il n'y a pas d'indexation. Oui, c'est quand même… Donc, c'est un régime à prestations déterminées. Oui, c'est la même chose, sauf que… Mais sans indexation. Oui, c'est une minorité de régimes qui ont des formules d'indexation, mais quand même, là où il y en a, on considère que c'est important, ou comme à Saint-Jean, les gens aux tables de négociation, on tente d'en négocier, parce que si vous avez la même rente pendant 15 ans qui ne bouge pas, à 24 000 $ par année, bien, on va se reparler dans 15 ans. Les gens vivent plus longtemps aussi. Oui, il y a des formules d'indexation aussi conditionnelles qui dépendent des rendements de notre régime de retraite, mais il n'y a pas un endroit qui est pareil voilà. Là-dessus. Vous avez combien d'employés Cols Blancs chez vous? 232. 232 ouais. Employés, donc ça exclut les cadres, ouais. Forcément.
La ville de Saint-Jean, c'est à peu près quoi? 600 employés? 632 employés. 632 employés, donc les Blancs forment quand même un contingent assez, assez important. Ouais. Du côté des Bleus, vous êtes combien? 157. 157? Ouais. Avec les auxiliaires qui travaillent entre 20 et 30 semaines. Il y en a qui travaillent 30 semaines garanties, mais il y en a qui travaillent juste 20 semaines. Actuellement, la contribution que vous faites à votre fonds de pension, ça ressemble à quoi chez vous, chez les Bleus? C'est 9 % de votre salaire? Oui. Alors que l'employeur, lui, met l'équivalent de 16 % de votre salaire? C'est pas tout à fait ça. Ça, c'est le chiffre qu'on nous avait donné. Ouais. Bien, ce qui arrive, c'est que nous, on met 9 % n'importe qui, là. Ouais. Les cinq groupes, policiers, pompiers, cadres, col blanc, col bleu, on met 9 % de notre salaire. L'employeur, lui, met, pour les cadres, si on peut spécifier, il met 10 % en partant. Déjà en partant, c'est déjà... Bon, pour les cadres. Pour les cadres. Nous autres, on y met 9 %. C'est sûr qu'il y a une cotisation à payer qui est différente parce que le coût de service courant coûte un petit peu plus cher en réalité que le 9 %. C'est censé être à 50-50, mais en réalité, le coût du service courant coûte un peu plus cher. Pour l'ensemble des cinq groupes, on parle de 2,5 %. D'écart? D'écart. Donc, on n'est pas loin du 50-50. On n'est pas loin du 50-50. Quand M. Berthelot vient dire 16,2, c'est parce qu'il vient mettre aussi le déficit. Il vient appliquer le déficit sur son coût total du régime. Là, que oui, on peut l'appliquer à 16,2, mais en réalité, ce coût-là, on peut pas venir le calculer là-dedans. Là. Parce que le 16,2 inclut le déficit passé. C'est ça. Bien, le déficit actuariel. Actuariel, c'est ça. Qui est à combien? Ce que la loi ne prévoit pas. La loi ne prévoit pas de... le calcul de M. Berthelot de mettre à 16,2. Mais sur le principe, est-ce que vous êtes d'accord avec... Parce que je sais qu'en même temps, pas longtemps avant le dépôt du projet de loi, je pense que les quatre syndicats ici, vous étiez sur le point d'avoir une entente, là. Les négociations étaient quand même assez bien avancées chez les pompiers. Ça dépend des départements. De notre côté, ça roulait bien. Puis je pense justement que le dépôt du projet de loi 3 est juste mis à du sort dans l'engrenage, à cause qu'autant du côté de la ville que des pompiers, comme je disais, ça roulait rondement, on avait des objectifs communs. Et puis, on voulait faire notre part, nous aussi. On comprenait l'enjeu, mais on n'était pas d'accord tout simplement avec les chiffres qu'une donnait vis-à-vis les chiffres, à cause que, dans le fond, tout était basé au début de nos négos, avec les chiffres de 2010. Nous, on voulait attendre d'avoir les chiffres de 2013. Et puis maintenant, avec 2014, l'économie s'est replacée légèrement. Donc, c'est certain que les enjeux ont légèrement changé. Mais on était en bonne position pour un règlement en excluant le fameux dossier du régime. Vous êtes combien de pompiers? 70 avec 20 temporaires. Donc, 48 et 20 temporaires. Chez les policiers, vous êtes combien? 98 permanents. Et dans la caisse retraite en 2013, à l'évaluation actuarielle de 2013, on avait 32 temporaires inclus. 98 plus 32. Bon. Êtes-vous d'accord quand même sur le principe du 50-50? On l'a déjà, le 50-50. Ça a déjà été négocié, ça fait des années. Donc, ça, c'est déjà négocié? C'est déjà fait. Mais dans les chiffres, pourquoi y a-t-il un écart de 2,5 %? Bien, l'écart, c'est le coût de service courant, dépendamment. Si on regarde l'espérance de vie qui augmente, il y a des nouvelles tables de mortalité, ça augmente le coût du service courant. Puis ça, d'une évaluation actuarielle à l'autre, on peut apporter des ajustements. Le 50-50 au Québec, je regarde Saint-Jean-sur-Richelieu, de partage du coût de service courant, il y a bien, bien des groupes qu'on n'est pas loin. Mais on dit, nous, on ne veut pas de mur à mur parce que ce n'est pas une recette unique. Il y a des endroits qui ont choisi de sacrifier du salaire pour avoir un meilleur régime de retraite. Fait qu'on veut faire attention à ces règles-là de mur à mur. Mais ce qui blesse le plus, c'est toute la question des déficits passés parce qu'on ne peut pas réécrire 30 ans d'histoire. La loi est ainsi faite que c'est l'employeur qui était responsable des déficits passés. Aux tables de négociation, quand on négociait, on tenait toujours compte du poids que ça mettait sur un employeur, mais c'est lui qui le payait. Si on se fait l'avocat du diable, l'avocat de la partie adverse va dire « Oui, c'est vrai, j'ai négocié ça il y a plusieurs années, puis c'était correct, sauf que j'ai négocié sur la foi de rendement qui était évalué à X. » Sauf qu'au fil du temps, les rendements ne sont plus ce qu'ils étaient. Ça, je veux, en tout respect, c'est une légende urbaine, parce qu'on a déposé à la commission parlementaire qu'il y a eu à la fin du mois d'août les rendements des 30 dernières années. En moyenne, les rendements sont de 10 %, parce que c'est pas juste fait d'obligations, il y a aussi des actions. Les rendements sont assez stables. Il y a eu une très mauvaise année, c'est l'année 2008. Ouais. On parle de rendements d'à peu près moins 20 %. Sinon, même avec cette mauvaise année-là, les rendements sont de 10 %. Donc, ils sont là quand même, les rendements. Mais ce qui fait en sorte que nos régimes sont un peu plus en difficulté aujourd'hui, c'est que bien sûr, on vit plus longtemps, puis on vit plus longtemps en retraite. Donc, les syndicats, on est tous d'accord qu'il faut faire des efforts. Il faut réévaluer, bon, à quel âge on prend notre retraite, certains droits, certaines prestations. Mais
Le projet de loi 3, il va beaucoup trop loin. Il est en train de mettre la hache. C'est comme le ministre Moreau, quand il disait, bien, on a sous-estimé dans le passé l'allongement de l'espérance de vie. Puis ça, c'est un vice de consentement qui justifie de voir les contrats. Depuis 30 ans, j'ai dit au ministre Moreau, les actuaires ont toujours considéré l'allongement de l'espérance de vie. Ce n'est pas un phénomène qui est nouveau. Par tranche de 10 ans, ça a toujours été considéré. Mais les déficits cumulatifs sont dus à quoi à ce moment-là, bien, s'il y a eu des rendements de 10 % en moyenne depuis 30 ans? L'année 2008, c'est celle qui nous a fait le plus mal. Mais là, on a trois bonnes années de rendement consécutives. Ce qu'on disait, là, c'est que l'année prochaine, les déficits, là, le ministre ne nous obstine plus là-dessus. Hein. Il disait, lui, c'est 3,9 milliards. Tout d'un coup, il a changé de discours. On parle d'à peu près 2 milliards, 2,2. Et d'ici un an, parce que l'année 2014 est encore excellente, on s'en va vers un déficit global zéro. Ouais. Ça ne veut pas dire que des régimes comme Saint-Jean, il ne restera pas un résiduel de déficit ou d'autres régimes, dépendamment. Mais globalement, on s'en va vers des régimes qui sont en santé. Ça nous donne le temps de bien faire les choses. Bon, Jocelyn Bourdon, je fais référence encore à l'entrevue qu'on a faite avec Yvan Berthelot il y a quelques semaines, qui nous disait la chose suivante, c'est-à-dire que si rien n'est fait à court terme, que l'impact du déficit des fonds de pension va faire en sorte que les taxes au 1er janvier seraient dans l'obligation d'être augmentées pour pallier à peu près un équivalent de 2 à 3 millions de dollars de manque à gagner. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces chiffres-là? Non. J'ai trouvé son calcul un peu simpliste, dans le sens que... oui, on appelle ça la cotisation d'exercice là, envers le déficit technique, là, qui est le déficit actuariel. On appelle ça une pénalité à payer. Là, présentement, au 31 décembre 2013, selon les chiffres préliminaires, est à 2 millions. Ça, là-dessus, il y avait raison. Par contre, la Ville peut se prévaloir d'allègement, des mesures d'allègement auprès du gouvernement qui vient couper ce montant-là de 50 %. Donc, on tombe à 1 million. Puis de plus, on a une réserve dans la caisse de retraite que la Ville est obligée d'utiliser, qui est obligé de venir mettre sur cette cotisation-là d'équilibre, ouais. Qui fait que le montant, finalement, total, c'est 507 000 $ pour les années 2014-2015. Quand on vient dire que c'est 2 millions, ça représente 3,5 % de taxes, bien, c'est pas vrai. Ça représente 0,34 % du budget de la Ville de 147 millions. Quand on vient dire que l'année passée, on a augmenté les taxes de 1,79 % en cause, en grande partie, au déficit du régime de retraite, bien, c'est pas tout à fait vrai. Oui. Puis il faut faire attention parce que les actuaires, là, on est en train de challenger ça. Quand ils établissent des hypothèses, dans le taux de rendement qu'ils prévoient, il y a toujours une réserve. Fait que je vais faire ça pour vulgariser. Là. Cette réserve-là, il la calcule comme un déficit, alors que c'est un surplus. C'est une réserve qu'on met de côté au cas où ça aille mal. Fait que là, dans le fond, le degré de capitalisation de régime de retraite, ici, globalement, à Saint-Jean-sur-Richelieu, pourrait être à peu près autour de 93 % au lieu d'être à 80-83 % si on excluait cette marge-là. Fait que des fois, juste sur papier, on crée... Ce qu'on a dit à la commission parlementaire, juste sur papier, des actuaires qui sont plus conservateurs créent des déficits actuariels. Puis là où on a un problème avec ça, c'est que les citoyens payent des cotisations d'équilibre au déficit trop élevé. Quand j'écoutais la commission parlementaire, il y a deux chiffres qui revenaient constamment. Il y avait notamment le Parti québécois ou d'autres organisations qui disaient, si on vise un taux d'à peu près 80-83 %, on est correct, parce que si on se base que éventuellement les rendements vont s'améliorer. Et d'autres qui disaient, M. Bonmarquette, entre autres, qui disent non, il faut viser le 100 %. C'est quoi la recette gagnante? C'est un très bon point, parce que des régimes à prestations déterminées dans le monde municipal, les municipalités ne fermeront pas demain matin. Il n'est pas anormal. Les actuaires vont dire que ce n'est pas une anomalie d'avoir un déficit. Et le Parti québécois, quand il était au pouvoir, avait établi un déclencheur à 85 %. Il disait, à partir de 85 %, pas de problème. En commission parlementaire, on a à peu près tous déposé pour dire on est d'accord à 85. Le ministre dit 100 %. 100 %, c'est un régime. Si on est dans le secteur privé puis demain matin, il fallait fermer l'entreprise, c'est vrai qu'il faudrait s'assurer d'avoir tout l'argent dans la caisse. Ce n'est pas le cas des municipalités, puis on peut l'étaler sur 15 ans. Il ne faut pas paniquer. Par contre, je disais, oui, il faut faire des raménagements parce que s'il y a une autre mauvaise année de rendement, mettons qu'en 2016, la bourse plonge, on va être en difficulté. Fait qu'il faut faire des choses, mais il faut y faire comme il faut. Bon. Prenons le cas des policiers, parce qu'on le sait, souvent, les gens ont pour image que les policiers prennent leur retraite très, très jeune. Donc, début cinquantaine, 30 ans de service, on prend la retraite. Est-ce que c'est un mythe ou c'est encore une réalité aujourd'hui, ça? À Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est le chiffre 85, c'est la règle du 85. C'est ton âge plus ton ancienneté. Donc, les policiers les plus jeunes qui vont prendre leur retraite après 31 ou 32 ans de service, on parle de 52-53 ans. Mais ce n'est pas la même chose dans les autres groupes d'employés, j'imagine. Chez les Blancs, les Bleus, les pompiers. Les Bleus, 85 aussi. Chiffre 85. On a tout le chiffre 85, mais la réalité dans chaque groupe est différente.
c'est pas tout le monde qui, automatiquement, à leur chiffre 85, partent à la retraite. Pour les cols blancs, la moyenne d'âge, c'est 58, 59 ans. Donc, ils dépassent largement le chiffre 85. Donc, il y en a qui partent au chiffre 85 après 30 ans de service. Il y en a, puis, ça, c'est clair. Chez les bleus? Chez les bleus, je dirais, les derniers qui ont parti, ça doit faire 12, 15 ans. Au chiffre 85. Cette heure, ça passe, c'est soit 58, 59, 60. Donc, plus en fin de 50. C'est ça. C'est plus proche de 60 que... Mais est-ce qu'il y a un avantage d'aller au-delà de son chiffre pour un employé de rester plus longtemps? Ça augmente sa rente. Hmm. Dans le fond, la rente n'est pas plafonnée. Donc, plus vous restez longtemps au travail, plus vous améliorez votre rente à la retraite. Fait que les gens veulent demeurer actifs plus longtemps puis rester au travail. Puis, il y a des groupes où les gens sont embauchés plus tardivement. On va voir ça souvent chez l'École bleue, par exemple, où l'âge d'embauche est un peu plus tard. Donc, que chez les policiers ou chez... Oui. Bon, parlons des moyens de pression, parce qu'il y en a eu un peu partout. Il y a eu certaines manifestations, notamment une importante à Montréal, qui s'est bien déroulée. Je pense que tout le monde l'a souligné. Content. Évidemment, l'élément le plus visible, c'est peut-être les pantalons des policiers. Je ne sais pas si vous faites taquiner un peu avec ça, ou est-ce que les gens amorcent la discussion avec vous sur ces enjeux-là? Si je me fie aux commentaires de mes collègues, c'est même peut-être plus facile d'aborder les gens. Au début, ça l'a fait un onde de choc, mais maintenant, les gens sont habitués, puis ils nous voient peut-être d'un côté moins autoritaire, puis ils sont plus portés à venir nous parler. Parce que des fois, on entend des histoires d'horreur, supposément que les gens, on se faisait insulter. Mm-hmm. Ce n'est pas le cas du tout. Les gens souvent viennent nous dire « j'appuie tes moyens, je trouve ça correct ». La façon que tu le fais, c'est respectueux, parce que nous autres, à la police, on n'a pas touché au service. Puis on assure des services de qualité et professionnels de la même façon. La seule différence, étant donné qu'on est très limité dans nos moyens de pression, on s'est mis des pantalons de camouflage, des pantalons cargo ou des jeans. Bon. Et les petits collants sur les voitures? Les petits collants sur les voitures, au début, on entendait un peu partout comme ce qui se faisait à Montréal, qu'on faisait des méfaits, puis c'était épouvantable. Et à un moment donné, le Canada français était venu pour une petite photo comme quoi que nos collants avaient pris bien soin que la colle ne fasse aucun dommage. Puis il n'y a aucun dommage sur les véhicules, et même que la ville... nous avait envoyé une lettre au syndicat, en tout cas au syndicat de la police, pour dire qu'elle n'enlèverait pas nos collants si c'était dans la limite du raisonnable et qu'on ne faisait pas de... Chez les pompiers, c'était quoi vos moyens de pression jusqu'ici? Encore une fois, les pantalons et puis les collants sur les véhicules. Ça n'a pas créé de problème. Un son de cloche sur un citoyen qui a accroché un peu. Mais à part de ça, les citoyens sont très courtois, nous encouragent dans le moyen de pression. Puis ils voient très bien que le service n'est pas affecté du tout. Là. Parce que le service est pareil. En changeant pas le service, les citoyens n'ont pas de raison de se plaindre de nos moyens de... Donc ici, localement, c'est comme on dit en anglais, c'est assez soft. Mais quand on regarde dans le cas de Montréal, où l'administration mettait en doute, je pense, le nombre de contraventions, ou dans certains cas, des lenteurs du service de pompiers, là, je parle de Montréal. Ici, localement, on n'a pas été face à ce genre de situation-là. Est-ce que les contraventions ont baissé à la police? Bien, si je me fie à ce que M. Bouliris a rapporté au Canada français... On le reçoit la semaine prochaine. Il avait mentionné que lui, non, il n'y avait aucune baisse de contraventions. Mais quand on regarde la loi 3, c'est fait pour la ville de Montréal et Québec souvent, puis tous les problèmes viennent souvent de là. Nous, à Saint-Jean, tous nos moyens de pression, de sensibilisation ont été faits dans les règles. On n'a pas on a les populations. Les blancs et les bleus, vous vous êtes exprimés de quelle façon jusqu'ici? Ben, du côté des blancs, la même chose, les collants. On a placardé tous les édifices de la ville, les véhicules, du service du génie, de l'urbanisme, l'informatique, les collants ont été apposés. On a des chandails, on appelle nos lundi mous, un peu comme à Montréal. Donc, les gens participent en grand nombre. C'est très, très, très encourageant. Les gens participent, viennent travailler en pyjama, avec nos chandails. Monsieur Ranger, Éric Lebout du syndicat des policiers disait une chose importante. C'est comme si des employés municipaux d'une ville comme Saint-Jean-sur-Richelieu paient un peu pour des problématiques qui appartiennent à des grandes villes comme Montréal et Québec. Est-ce qu'il n'y a pas là un déséquilibre? Non. Moi, ce que je dirais, c'est qu'il y a deux maires qui parlent plus fort que les autres puis qui ont rené le show. Excusez-moi l'anglicisme. C'est les maires de Québec et de Montréal. Puis les réactions ont été plus fortes par rapport à leur déclaration. C'est eux autres qui ont un peu mené le bal avec l'UMQ. Mais si je regarde du côté à Montréal,
Puis il y a des administrations qui réagissent bien aux moyens de visibilité, parce que Montréal, c'est la même chose, c'est des moyens de visibilité. Et il y en a d'autres qui décident qu'ils font une guérilla. Montréal, c'est ce qu'ils font. Ils réagissent. La baisse des contraventions, il a été démontré à Montréal qu'il y a eu une baisse importante dans les derniers mois des accidents de la route. Donc, c'est normal qu'il y ait une baisse des contraventions. La Ville a décidé de faire un grief patronal. La Ville a décidé de réclamer le nettoyage des autopatrouilles, le nettoyage des camions d'incendie. Dans le fond, c'est pour le spectacle. Ils tentent de montrer qu'ils sont une administration qui est plus dure. Mais les policiers et les pompiers de Montréal prennent les mêmes moyens qui ont été pris ailleurs. À quoi le public doit-il s'attendre dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Parce que là, dépôt de la loi, il y a probablement des éléments là-dedans qui ne feront pas votre affaire. Est-ce qu'il y aura un accroissement des moyens de pression un peu partout au Québec? Bon, on est inquiet du... On s'en cache pas, on est inquiet du climat de paix industrielle dans nos municipalités, parce que si le projet de loi 3 ne change pas, le ministre l'a dit, on va le voir dans les prochaines heures, c'est clair qu'il va y avoir des impacts importants pour nos gens. Il y a des endroits où les déficits sont plus importants, et on va revoir le droit de gens qui sont là depuis 25, 30 ans, 35 ans. On va changer les règles du jeu. Pour des personnes, j'étais chez l'École Blanc de Laval la semaine dernière, c'est pour des gens qui sont là depuis 30 ans, 90 000 $ de pertes. Puis c'est des gens qui ont toujours mis leur argent dans le régime de retraite, qui ont toujours respecté une ville comme Laval où on sait qu'il y a eu des choses qui sont passées dans l'administration. Fait que ça va réagir très, très mal à plusieurs endroits, très, très mal. Et nous, on va continuer à se mettre en mode mobilisation. Bon, quand on parle de la réaction du public, et souvent, les gens ont tendance à dire « Ouais, mais les employés municipaux sont gâtés par la vie, ils ont la sécurité d'emploi, ils ont des fonds de pension, etc. » C'est pas la moyenne des gens qui travaillent dans le privé. Quelle est la réaction? Parce que vous devez avoir des gens dans votre entourage qui doivent vous challenger par rapport à ça. Et vous leur dites quoi, Jocelyn? Bien, c'est avec les arguments qu'on va les avoir. Hein. Puis on sort les arguments. On met quand même 18 % de notre salaire dans nos régimes de retraite. On a fait des concessions. Parce que le 9 % que la Ville met, ou le 9, le 10, le 11, on peut prendre n'importe quel chiffre, c'est du salaire qu'on n'a pas. Là. C'est du salaire. Notre fonds de pension, c'est un salaire qui est différé. Donc, on décide volontairement de prendre des augmentations de salaire ou des conditions de travail qu'on met sur la table, qu'on dit, bien, nous, on décide, en tant qu'employé, de le mettre dans un régime de retraite pour avoir une pension plus tard. Puis, il ne faut pas partir en peur. Là. Le fonds de pension à Saint-Jean, il n'est pas indexé. Là. Donc, celui qui est parti en 2000, en 2014, avec 25 000 piastres, c'est à la même rang. Mais le coût de la vie a augmenté depuis ce temps-là. Là. Tout le monde, tout a augmenté. Là. Donc, quand on parle de l'appauvrissement des retraités, ce n'est pas juste par l'indexation que ça passe. Mm-hmm. Ça passe aussi par le fait que si on va aller chercher en plus des sommes qui leur ont été promises, puis on va venir couper leur rente. Ça n'a aucun sens. Et Richard, est-ce que les gens disent que vous êtes gâtés? Bon, ils disent, tu sais, moi je fais beaucoup de sport, puis tu sais, c'est sûr que le monde passe des commentaires, mais quand je regarde ça, tu sais, je regarde mon frère, là, ça fait 40 ans qu'il est à la ville. Là. 40 ans, là, il va avoir une pension, mais en bas de 30 000. Je pense qu'il a payé sa part, puis les derniers contrats qu'on a signés de 5 ans, là, c'est ça, sur le 3 % qu'on a eu d'augmentation, j'ai mis 1 % de ma part, puis j'ai mis le 1 % de l'employeur, sa part, dans le fonds de pension. Il a fallu faire ça, il fallait monter à 9 %, on était à 5,5 nous autres. Puis vu qu'il disait que là, c'était pas rentable, on était dans le show, on a fait notre effort, on a pris 3,5, ça veut dire 7 % de nos augmentations pour le mettre dans le fonds de pension. Tu sais, aujourd'hui, ils viennent de dire, mais là, faut qu'on te coupe. C'est un choix qu'on a fait, là. Philippe, vous êtes probablement l'un des plus jeunes autour de la table. Est-ce que vous avez l'impression d'être aux prises dans un débat qui émane d'une autre génération? Je ne sais pas, ça fait combien d'années que vous êtes pompier? Depuis 2006. 2006. Donc là, vous arrivez dans un débat, là, dans le fond, qui fait rage maintenant, mais où on parle d'impact qui date de 10, 20 ou 30 ans. Oui, non, mais je crois que c'est un problème qui date depuis longtemps, mais je crois qu'il est vraiment tellement actuel que la tempête, qu'elle soit du passé ou du présent, on la vit présentement. Là. Je veux dire, il n'y aura pas de différence. Et puis, on est tous impliqués dans le même bateau. Donc, que je sois jeune ou pas, il suffit d'être que je sois au courant du débat, puis on va essayer de s'en sortir le mieux qu'on peut avec la situation qu'on a. Là. Même réaction chez les jeunes policiers? Oui. Même réaction. Les policiers sont conscients du travail qui a été fait par leurs prédécesseurs, les plus vieux. Puis ce qui est négocié présentement, ils vont le bénéficier éventuellement. Donc, si on résume la situation sur le principe du 50-50, donc dans certains cas, vous dites que c'est déjà appliqué, tout le monde est pas mal d'accord là-dessus, le 50-50? Pas tout le monde. Enchâssé dans la loi. Ce que je veux dire, c'est que laissez-nous négocier. On peut y arriver. Les deux derniers règlements à Québec, là, col blanc, col bleu, ils ont atterri aussi à 50-50. C'est possible de le faire par la voie de la négociation. Il ne faut pas que ce soit une religion. Donc pas une religion. Non.
Mais vous n'êtes pas du tout fermé à l'idée d'atteindre une règle de 50-50. Ça dépend des groupes, parce que j'ai... Okay. On a plein d'exemples. Policiers de Montréal, ils ont choisi des salaires plus bas. On ne peut pas demain matin leur dire 50-50 à eux autres. Même chose pour certains autres groupes. Parce qu'ils ont négocié des salaires différents. Ben oui, ils sont 12e en termes de salaire au Québec. Et les déficits passés et futurs? Les déficits passés, il n'est pas question de toucher aux ententes. Et ça, sur le plan du droit aussi, même la droite le dit que ça n'a pas de bon sens de déchirer des ententes du passé. Pas question. La porte là-dessus est fermée à double tour. Et les déficits futurs? Déficits futurs, on peut le faire par la voie de la négociation. Laissez-nous négocier. À Montréal, ça s'est fait chez l'École bleue, 45-55. C'était pas le 50-50, ça s'est fait. À d'autres endroits, parce que le régime est en santé, ils ont décidé de ne pas le faire, ils ont fait d'autres choix. Donc, surtout pas de solution mur à mur. Puis surtout de faire attention, parce que vous parliez des plus jeunes, là. Les plus jeunes, là, actuellement, le danger... c'est que le gouvernement est en train de mettre l'âge dans ces régimes-là. Il leur demande de payer plus, sable dans leurs droits, puis ça va être des pseudo-régimes de retraite. Fait que ça, c'est important de protéger les plus jeunes des vrais régimes de retraite. À vous cinq, merci beaucoup. Bonne merci chance. À vous. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babia quotidien. Dans le confort de votre foyer. Télé-Bingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses bêta, version 3.0, de retour cet automne. Le Centre de femmes du Haut-Richelieu reprend son calendrier des cafés-rencontres hebdomadaires. Pour obtenir de l'information sur les cafés-rencontres, allez sur le site Internet ou vous téléphonez au 346-0662. À chaque semaine, on vous présente l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est que nous, le premier et le troisième lundi du mois, on fait la captation du conseil de ville et de ce conseil, on soutire évidemment des extraits qu'on diffuse les deux mercredis suivants. L'émission se retrouve également via notre canal YouTube. Télébingo, 3 500 $ en prix à chaque semaine, tous les dimanches matin, 9h30 en direct au câble 9. 30 dépositaires pour vous vendre, bien sûr, des livrets. Et donc, vous allez sur notre site Internet ou vous téléphonez ici pour en connaître la liste. À demain. Bye-bye.